Bonjour, bonjour, bonjour à tous, c'est YoYo Dune. Maintenant, on retrouve une vidéo sur Child of Light, mes amis. Alors, dans le précédent épisode, nous avons fait extrêmement de choses. Nous avons fait les falaises des reins, nous avons retrouvé le Tristis, un des coéquipiers de Rubella qui était au cirque. Et nous avons battu le Griffon. C'était une énorme réponse, c'était un petit boss. Enfin, c'était un petit boss, c'était quand même un gros boss, ouais, parce qu'on en a chié quand même. Maintenant, on va aller au temple de la lune. Ma fille aura. Papa. Bassin, je t'en supplie. Montre-toi, mon père chéri. Messire, le barrage est en morceaux. Les fermes ont été englouties. Rien ne peut abattre les flots. Aidez-moi, je vous en prie. Nora, père, il se meurt. Le barrage a cédé, l'eau ne fait que monter. Calme-toi et sèche tes larmes. Nous serons bientôt rentrés. Y a pas des coffres quelque part. Oui, là-dedans, il peut y avoir des coffres aussi. La magnifique, une douce musique. C'est une musique qui est une des plus belles musiques du jeu. Hein, voilà, hop. Un coffre qui était en dessous de l'eau. Quel soulagement, nous sommes arrivés. Aurora, l'heure est venue de se séparer. On va parler à tout le monde. Adieu, vous allez en trouver là. Au beau milieu de nos aventures, vous nous quittez juste comme ça. Je le regrette, soyez-en sûr. Rubella a quitté le groupe. Tristis, ne pleurez pas, voyons. Je suis meurtri, encore un abandon. Chacun suit sa voie, c'est ainsi. Mais il faut voir les bons côtés de la vie. Je vis pour combattre la nuit maléfique et nous éviter à tous un avenir tragique. Tristis a quitté le groupe. Prenez soin de vous, gentille fine. Vous nous quittez, que vais-je devenir? Je rentre à la maison, ma famille m'attend. N'ayez crainte, le courage viendra avec le temps. Robert, je vous souhaite bonne continuation. Mon entreprise a tourné court, Margaret, adieu. Ne soyez pas si défaitiste, voyons. Je crois en votre bonheur à deux. Robert a quitté le... Là, c'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que ça va s'unir que maintenant? Ah bah vous le saurez dans quelques instants, bien sûr. Juste après cette petite tournée. Mais bon, il faisait juste un peu le tour, il n'avait rien oublié. Maintenant, on peut donc rentrer. Oh, Aura, le sel, il faut gagner. Où se trouve donc le plus haut des sommets? Uniculus, tu vas me manquer. Tu me manqueras tant. Vous manquerez également. Bon, on fait un peu les alentours pour voir si on a rien. Il n'y a pas d'autres coffres parce qu'il y a des coffres ici quand même. On a tendance à faire. Allez hop, on a terminé, on va là-haut. Et ben non. Non, il y a des coffres. Il y a des coffres.
Ah oui, c'est vrai, il y a plus, c'est vrai. J'ai fait. What? Pourquoi on peut pas récupérer le machin? Comme ça, on peut pas récupérer vu qu'on a Paniculus. Il faudra donc revenir. Il y en avait un autre derrière la cascade que j'ai vu d'ailleurs. L'élixir de Luciole x2. L'élixir de défense x2. Donc bah on va y aller hein. Tu es si altruiste, si généreuse, Aurora. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Parfois, qu'on l'en fasse, quoi que l'on dise, certaines choses ne sont jamais comprises. Ne perds pas ton temps à explications futiles. La vie est courte, ignore les imbéciles. De nos errances, nous voyons enfin le haut. Va de l'autre côté, Aurora. Ce miroir magique nous ramènera chez nous. Je serai juste derrière toi. Bon, on va y aller. Nora, quel est cet endroit? Viens avec moi. Cordelia, ma sœur, et vous, belle-mère. Belle-mère d'Aurora. Aurora, te voilà. Où suis-je? Où est mon père? Dans ses draps. Attrape-la. Que fais-tu? Je ne comprends pas. Le problème qu'un lien nous unissait. Je suis navré, Aurora. Mais nous ne pourrons être alliés. Ma sœur, Nora. Nox est mon vrai nom. Tamir, mais pour moi, tu n'as rien. Royal est mon sang, pas le tien. Je suis la reine. Ce mariage avec ton père n'est qu'une illusion. Quelle perversion! Petite insolence, fais-tu donc tes prières? À ton père, je réserve les pires maux. Ces bras auxquels tu t'accroches deviendront poussière. Sache que les faibles ne sont pas de vieux os. Lemuria m'appartient, tu entends. De mon ennemi, tu es l'enfant. Mon père, quel crime a-t-il commis? Cet imposteur dégrépit. L'ignores-tu vraiment? De Lemuria, ta mère a chassé la mienne il y a longtemps. Ma mère, elle n'avait pas ce pouvoir. Cette sorcière ne lui avait ôté tout pouvoir. Ah, la reine déchue de Lemuria était ma rivale. Et toi, sa fille, connaîtras une mort brutale. Comment? Un sort de protection. Sa fausse couronne, il faut la lui ôter. Garde, qu'on enferme dans la tour jusqu'à sa mort. En attendant, la torture sera son sort. Le ciel, je ne me laisse te contempler. Maman, j'aimerais pouvoir voler. Il y a des contrées où certains ont ce don.
Ou donc, quelle révélation! Tu iras quand l'heure aura sonné. Nous, avec Père et toi, je veux rester. D'une même, nous avons tant à découvrir. Une reine, tu vas peut-être devenir. Auprès de tes sujets, tu devras alors rester. Depuis notre château, je leur écrirai. Malicieuse enfant, cette luçonne attrape-la. Donc, là bien sûr, c'est le passé de Aurora, là. Et Nora nous a trompés. C'est pour ça que à l'épisode de Nora, c'était à peu près, je crois que c'est le 7e, un truc comme ça, nous avait dit que Nora, que je n'aimais pas trop cette fille. Enfin, je pense que vous avez un peu compris de mon caractère, mais c'est seulement pour ça. Nora est une traîtresse. Vu que je connaissais un peu l'histoire. Mais bon. C'est la vie. Là, on va être enfermé dans le château. Maman vient de te dire, Aurora, où es-tu, Aurora? Juste ici, par de là, je veux te promener. Et là, bien sûr, c'est un peu mouru. Je suis fatigué, Aurora. Laisse-moi t'aider. Mon cœur, oh mon cœur. Maman, arrête, il faut te reposer. Non, ce mal s'en prendra à toi. Je crois que je n'ai pas le choix. Gardez-le, Moria, je vous en prie. Ma fille, protégez-la de la main qui m'a pris la vie. Si lui devait arriver malheur, conduisez-la à votre hôtel. Ce soir, prononcez à ma dernière heure avec mon ultime souffle, je le scelle. Papa, aide-moi, je t'en prie. Maman, écoute-moi. Non, je ne pars pas. Je ne pars pas. Reviens-moi. Tiens, je connais cette mélodie. La reine de Lemuria l'a joué, j'étais là. Vous êtes sa fille, celle qui combat dans l'ombre, et de la cruelle nuit triomphera. Comment faire? Je ne suis qu'une fillette égarée, qui chez elle veut vite rentrer. Qu'aurait pensé votre mère de ceci, si elle était encore en vie? Il vous faut quitter le château à présent, et le monde par vous-même affronté, le voir tel qu'il est vraiment, et votre vraie place enfin trouvée. Si je vous aide, jurez-le moi, l'obscurité vous combattrait, et notre terre, notre peuple et la lumière vous sauveraient. Je le jure. Alors, soyez forte et préparez-vous au combat. De nos entrailles, je vous défais de ce pas. Oengus a rejoint le groupe. Oengus qui était au niveau, je ne me rappelle plus d'ailleurs. Oengus était à peu près, je crois qu'il était niveau 63. Non. Le plus haut des sommets. Donc c'est plus trop vite. Donc. Ah non, il était niveau 48 quand même. Ouais. Ah ouais, quand même. Donc je vais passer par le haut.
Malheureusement, nous ne pouvons pas récupérer cette touche. Donc on n'a pas Iniculus. Iniculus s'est fait emprisonner. Et là on est dans le château de la reine de Umbra. Je pense que vous aurez compris. Par contre, hein, faut faire très attention parce que là, on n'a pas Iniculus, donc on ne peut pas se soigner. Voilà. Et là, pour faire notre premier monstre. En taille. Après, c'était quoi? Faut que je me rappelle un peu les trucs. Séisme. Ça, c'était bien séisme. C'était magnifiquement bien. D'ailleurs, ça va se faire arrêter, ce malheur. Action de défense. Cri de protection. Fin des cordes Vajra, un truc comme ça. C'était Gida. Les monstres sont faciles pour une unique raison, c'est qu'on ne peut pas soigner avec Iniculus. Mais bon. C'est un endroit qui est assez sympa, je trouve. Je m'en souviens extrêmement bien de cet endroit. Quelque chose par là. Il y a un coffre, on va récupérer ce coffre. On ne peut pas aller là, malheureusement. Hop, on attaque ce magnifique garde. C'est un garde, bien sûr. Et on est deux. Défense. Défense. En taille. Allez hop, coup critique. L'autre va mourir là-bas. Voilà, c'est bien. Il meurt. Tourbillon. Et on aurait un peu mal. Faut le dire. Faut le dire. Fin des catégida. C'est quoi fin des catégida déjà? Je ne m'en rappelle plus. Bon, c'était bof, c'est bof, c'est bof. C'est très bof. Cri de protection, pourquoi pas. Alors, comme si t'avais un cri, avec le cri, ça te fait un cri de protection, mais c'est un truc de ouf. Oengus a donc deux points de compétence. Il faut qu'on lui attribue. Récupérons ce coffre. Voilà, on va faire tout doucement. Si je m'en souviens bien. Quelle machine infernale! Son mécanisme, je ne peux l'actionner. Comme vous, de la nuit, je suis le prisonnier, condamné à servir pour l'éternité.
Il nous faut de la lumière, si seulement Uniculus est avec nous. Uniculus, Unusol est mon ami. Fouillez la cellule de là, vous voulez-vous. Alors j'ai un peu passé des extraits là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Il est pas fait exprès. Je suis vraiment pas, il est pas fait exprès. Je me languis de la forêt. Ça vient de là. Il faut donc les sauver. Malheur à la reine. Oh non, qu'ai-je fait? Oh, Aurora, libère-nous. Tu nous as fait qu'on reviendrait. Et Nicolas, je suis navré. Tu es revenu. Pardonne-moi de t'avoir abandonné. Attrapons le temps perdu. Bon, le fantôme d'Aurora. Non, Sphine, c'est bien moi. Hurrah, j'essaie d'être courageux. Mais votre sœur nous a jetés dans un cachot. Cette sœur n'existe plus à mes yeux. Aurora, vos plans les avez-vous changés? J'ai fait un mauvais placement. Les passons. Robert, je suis heureux de vous retrouver. Ainsi s'envole le cours de mes actions. Robert a rejoint le groupe. Eh bien, jeune fille, quel numéro? Je vous tire mon chapeau. Prête à reprendre la route à nos côtés? Et comment, nous avons un combat à livrer. Quel heureux rebondissement. Ai-je bien entendu ce que vous avez dit? Ma joie ne durera pas, malheureusement. Cessez donc de vous faire du souci. Donc, on a retrouvé nos chers heureux compagnons. Je peux donc guérir Aurora, là. Vu qu'on a retrouvé notre Zeniculus pour l'instant. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, hein. Mais bon, notre sœur nous a quand même trahi, quand même. C'est dur, quand même. C'est dur à défendre. Hein. Et oui. Pour sortir, comment procéder? Dévider la chaîne pour commencer. Nicus, je compte sur toi. Prédateur des incels au roi. Excusez-moi, mais on pourra faire ça plus tard. Voilà, maintenant on va combattre. On taille. Hop, 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 hop. Fin des cochines d'Ida, là. Cri de protection. Vulnérabilité à la lumière, ce satané loup-garou. Baba déjà ce monstre. Et voilà. D'accord, ralentissement. Bah pourquoi pas, hein. On va t'apprendre le respect. C'est ça, le respect. Oengus, malgré ses niveaux très bas, est quand même assez fort, quand même, faut le dire. Que vient faire ici un marchand tel que vous? Plus qu'un simple étude de marché. Il est une jolie bonne mue dont je suis amoureux fou. Et que j'essaie d'impressionner en vue de l'épouser. Malgré la tagini qui nous menace inexorablement, vous croyez encore à l'amour? C'est osé. Nous sommes condamnés, l'ignorez-vous vraiment?
Apparemment, oui, il ignore. On va passer. Tristis. Il a assez pour faire frappe plus. Oengus. Passé, passé, voilà. Oengus, il va monter assez vite vu que il est de bas niveau. Récupérons ceci. Élixir rempart plus. Un truc est marrant avec moi quand même. Je récupère tout le temps les coffres, les élixirs, trucs comme ça. Mais je les utilise jamais. C'est un truc de fou en fait. C'est caché bizarre. Yeah, du cheese. Et hop, tu meurs. En trois coups, c'est bon, il est mort. Voilà. Donc, c'est vraiment des monstres à la noix. Donc, Tristis. Hop. Toi. Hop, toi, toi prochainement. Nous voilà réunis. Comme est la belle vie. Comme la vie est belle. Au combat, notre Nio fera des étincelles. Ah, tu réussis toujours à me faire rire. C'est ton soutien qui me permet de tenir. Donc, nous sommes venus pour récupérer ce coffre. Avec des émeraudes qu'on n'utilisera jamais d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant d'utilisera jamais, il faut peut-être que je fasse mes oculis avec toutes les personnes parce qu'ils sont tous enlevés là. Et oui! Dégâts d'eau, lui c'est plutôt dégâts physiques. Dégâts de foudre, puissance physique, plus 16, efficace contre l'eau. Contre l'eau, ouais, ça faut mettre. Défense, la résistance. Les dégâts physiques de 15, de 20, allez hop. Les dégâts physiques de 20, et ça c'est. On va mettre 20% de chance d'exécuter une attaque quand on exécute une. T'as besoin d'esquiver une attaque en exécution. 20% supplémentaire de faire reculer la créature visible dans la barre. Augmente la vitesse d'exécution de 12%. Augmente le chance d'esquiver et. Permet de commencer chaque tour avec 10% d'avance dans la barre d'action, ça c'est pas mal. Ça, après ça tu vas faire augmente les dégâts lumière, augmente la vitesse, augmente la puissance magique. Ouais, faut que tu montes la vitesse magique toi. Résistance réduit les dégâts magiques. Attends, attendez, attendez, attendez. Voilà, c'est carrément ça. Après, toi, on va faire augmente les dégâts magiques de 30% quand tu augmente les dégâts magiques de 20% quand la PV sont inférieurs à 30. Attends, augmente les dégâts magiques de 30% quand les PV sont inférieurs à 20%. Et augmente les dégâts magiques de 30% qui est sans à 30%, ça c'est bien, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Toi, c'est les dégâts physiques qu'il faut qu'on t'augmente. Augmente les dégâts physiques de 30% quand les dégâts sont inférieurs à 30%. Là, tu vas te faire résistance. Résistance aux dégâts magiques. Et tu vas faire l'audace de faire reculer des personnes. Après, les attaques de 10% ont 10% de chance de paralyser la créature obscure.
D'ailleurs, en parlant de ça. Attends, peut-être. Dégâts de foudre ajoutés aux attaques de mêlée, puissance physique. C'est ça qu'il faut que je monte en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Voilà. Réduit les dégâts physiques. Réduit les dégâts physiques. Et réduit les dégâts de match, hein, voilà. Ça, il faut qu'on augmente les dégâts physiques. Augmente les dégâts physiques de 30%. Chance physique plus 15, efficace contre l'obscurité. Voilà, on va augmenter ça pour lui. Augmente la résistance aux dégâts de terre. Réduit les dégâts. Augmente de 10% l'expérience obtenue après chaque combat. Augmente de 20% l'expérience après chaque combat. Ça, c'est pas mal vu qu'il est un peu en retard lui. Augmente la vitesse d'exécution de 12. Et ça, c'est quoi? D'esquiver et. Ouais, on va faire ça. Augmente la vitesse d'exécution de 12%. Et on a fait notre petit tour. Avant de terminer l'épisode, nous allons revenir en arrière récupérer ce qu'on n'avait pas récupéré, genre ça. Ça, on n'a pas récupéré. Et il me semble qu'on n'a rien oublié d'autre. Voilà, donc on va revenir en bas. Avant, on va se soigner un peu Aurora. Et bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il sera riche en émotions et riche en actions surtout. Et en histoire aussi. Hein. C'est un retournement de situation, j'ai envie de vous dire. Et sur ce, je vous dis à bientôt et bye bye. Allez, ciao!